Ce reportage vous est présenté par la Corporation du Fort Saint-Jean. Servir, notre force. N'est pas amené à affronter, mettons, les mêmes défis que dans un exercice comme on a fait en automne. Le froid, principalement, c'est notre nouvel ennemi. Mais comme je pourrais dire, au niveau du leadership, c'est assez similaire. Mais c'est sûr qu'on est quoi, presque 4 mois plus tard. Il y a quand même de bonnes différences au niveau de ce qu'on est capable de mettre en application. Puis, suite à l'exercice, justement, d'automne dernier, on a eu beaucoup de feedback puis de points à s'améliorer personnellement, individuellement. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, les performances sont encore meilleures que celles qu'on a vues en automne. Let's go! On va avoir une meilleure vision de bord. We tried to take it down. If you're cold during the night, make sure you warm yourself up by doing jumping jack, push-ups, whatever. And work, if you're not, you've got to be working. Don't just stand around. Be proactive, work all the time. Chacun a un métier différent. Il y a du monde qui est Air Force, il y a du monde qui est Navy. Certaines personnes, c'est leur dernier exercice en tant que tel dans le field. Parce que les personnes Air Force et les personnes de la Marine, eux autres, ils commencent cet été leur phase, ils vont faire des stages. Mais le monde Terre, ils ont encore une force commune de Terre. Fait que moi je suis élémentaire, donc j'ai encore 10 semaines à passer dans le fond, en Val-Cartier. Je m'en viens cet été, ça s'appelle CAP. C'est une qualification de plus. Fait que je trouve ça intéressant de connaître le terrain où que je vais passer l'été qui s'en vient. Et je fais beaucoup de jokes à mes amis Air Force. Ils disent, c'est votre dernier exercice, arrêtez de chialer. Okay. Là, vous le voyez, le lit, qui est le corridor. Cover, le mur, 4 pieds, 4 feet high wall. So, like, I had to, like, pull one out, like, I had to dig in with my hand. You need to get someone in there to make sure that you have the proper distances between the fire and yourself, because you don't want to cut fire.